secret que nous allons partager ce matin, et ça, ça pourra vous donner un sacré coup de main. Vous allez acheter un citron. Le citron possède un pouvoir majestueux. Par contre, c'est une astuce qu'il ne faut pas trop utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle a un pouvoir de mettre en sécurité là où vous vous trouvez. Mais trop en permanence en sécurité peut éloigner des gens de vous. Vous allez tout simplement, elle est spectaculaire parce que elle est capable de vous montrer qui vous suit et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vous a mis dans la situation où vous vous trouvez. C'est très intéressant. Vous allez couper le citron en quatre parties égales. Quand vous allez couper le citron, évitez de couper le citron pour que ça se sépare. Vous devez couper les quatre citrons de sorte que les citrons ne se séparent pas. Ça va rester collé, mais c'est coupé comme une fleur. Cette astuce, elle est spectaculaire. Vous allez poser ces citrons soit dans une tasse, ça dépend de vous, mais il faut que ça soit quelque chose de plat dans lequel vous allez poser ces citrons. Quand vous allez le poser, vous allez le voilà ouvrir comme la fleur. Voilà, c'est très joli. Faites ça ce matin et posez-la comme ça dans votre chambre. Je vais vous dire comment vous allez pouvoir l'utiliser. Ma grand-mère m'a beaucoup parlé du citron et je ne vous dis pas les pouvoirs qu'elle possède dans cette vie. Le citron est une âme très puissante et elle peut vous aider dans cette vie à trouver la réponse à toutes vos questions. Si vous avez des questions permanentes qui vous fatiguent et que personne ne sait vous donner une réponse, le citron peut vous donner cette réponse que vous n'imaginez même pas. Vous avez des soucis au travail, vous voulez comprendre ce qui se passe au travail et savoir vos ennemis, qui ils sont réellement. Le citron est capable de vous donner et de vous dévoiler qui est à l'origine de toutes ces persécutions dans votre travail. Vous avez des complications quelque part et vous ne savez pas comment vous allez trouver la solution. Alors le citron est capable de vous donner la réponse la plus spectaculaire. Vous n'avez pas besoin d'en demander. Qu'est-ce que vous devez faire réellement? Alors le matin, quand vous avez coupé votre citron, c'est simple. Vous allez le poser comme je vous ai dit. Le soir, soyez prêt pour faire cette astuce parce que la découverte va être spectaculaire. Vous allez tout simplement, le soir, dès que vous savez que vous allez aller vous coucher, mettez dans votre tenue de nuit, vous allez prendre le talon de votre pied. Ça veut dire le talon. En bas de votre pied, il y a un talon, n'est-ce pas? Vous allez soulever le talon et vous allez le poser sur la fleur du citron. Ça veut dire que le citron que vous avez coupé en quatre parties égales, vous allez simplement poser vos pieds dessus, juste le talon. Je vous dis que cette astuce, quand je l'ai fait, non, je l'ai fait à mon travail quand c'était vraiment un travail où il y avait une bataille que je ne comprenais pas comment des gens peuvent se battre pour un travail. Waouh! Faites ça. Quand vous avez posé le pied gauche, il va y avoir le jus du citron qui va venir sur votre talon. Vous posez le pied droit, il y a le jus du citron qui va venir sur votre talon. C'est bon. Allez-y vous coucher. Vraiment, pendant 4 jours, vous allez être spectaculaire. Vous allez voir des choses spectaculaires. En tout cas, si vos yeux ne sont pas fermés, vous allez remercier le bon Dieu pour toutes ces découvertes que vous allez voir. Des choses que vous n'imaginez même pas. Vous allez voir ça avec vos yeux. Tout ce que Dieu a mis dans la nature reste des choses célestes. Ce sont des choses que nous utilisons chez nous à la maison. Des choses que nous avons l'habitude de toucher. Pourtant, ce sont des choses naturelles, simples, que vous pouvez utiliser pour atteindre des objectifs
dont vous-même vous n'imaginez pas. Alors quand vous allez faire cette première astuce de plonger votre pied dans la fleur du citron avant d'aller vous coucher, quand vous allez vous réveiller pour aller faire pipi, vous allez remettre vos pieds dedans. Remettez, allez-y vous coucher encore jusqu'à ce qu'il fasse jour. Vous-même, vous serez étonné. En tout cas, si vous n'avez pas de problème, vous allez voir des choses merveilleuses, même depuis votre enfance jusqu'à ce jour où vous êtes. Vous allez être surpris du résultat. Après les 4 jours pour les hommes et 3 jours pour les femmes, vous devez maintenant vous débarrasser de cette astuce et la jeter hors de votre maison. C'est bon. À partir de ce moment, partout où vous allez rentrer, tous ceux qui n'ont pas le cœur ouvert avec vous, ils vont être dévoilés tout de suite. Vous allez les voir. Ceux qui n'ont pas le cœur ouvert avec vous, partout où vous vous trouvez, eux-mêmes, ils vont se dévoiler. Parfois même, eux-mêmes, ils vont vous appeler. Et vous allez dire non, il y a des choses. Vous savez, le citron, il faut savoir juste l'utiliser. Même que ce soit la tomate, l'aubergine et tout, ce n'est pas seulement des choses que vous utilisez pour manger. Ce n'est pas seulement fait pour manger. C'est fait pour dévoiler des secrets que vous-même, vous n'imaginez pas. Et les amis, quand vous allez découvrir tout ça, gardez le secret pour vous. Parce que c'est avec le silence qu'on combat son ennemi. C'est avec le silence que vous pouvez combattre vos ennemis. Il y a des gens qui sont toujours prêts dans ces situations. Mais c'est dans le silence que vous pouvez les avoir. Quand quelqu'un te cherche sans penser qu'il te voit, que tu le vois, ça là, c'est pas compliqué. Vous prenez le silence. Quand vous avez vu comme ça, vous gardez ça pour vous. Maintenant, vous saurez comment vous lever, comment marcher après. N'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, ça a été un super plaisir de le partager. Partagez les vidéos.